Vas-y, c'est bon. C'est bon, tu peux commencer. On n'attend rien, on t'attend pas du tout. Le son ne passe pas. Maman Bouko, le son ne passe pas. Il n'y a pas de son. Allô? Son téléphone. Appelle un peu. Mais comment? Allô, maman Bouko, il n'y a pas le son. Il n'y a pas de son. Coucou, coucou, bonjour, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. On t'attend pas. Ah, mais elle a coupé le son. Voilà, elle a coupé le son. Voilà. Eh bien, c'est bon, tu peux reprendre. Remets le Non, il son. n'y a pas de son. Remets le son. Remets le son. Remets le son et la vidéo. On t'attend pas du tout. Ah, explique, explique, explique. Remets Il n'y le a pas son de et son, on la n'entend vidéo. rien. Parce que quand tu as commencé, on ne t'entendait pas du tout. Mais il n'y a pas de son chez, ici. Moi, le son passe, mais toi, on n'a pas le son. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ton portable. On n'a jamais eu ce problème-là. Augmenter le volume. À quel mètre de volume, il y a un truc qui ne va pas. Hein? Ah là là. C'est pas trop, c'est pas le volume. Non, ce n'est pas moi ici. Moi, je mets le volume à fond. Hein? Pourtant, le son est activé, mais on n'entend rien. Maman Bouko, tu parles dans le vide, il n'y a pas le son. Allô? Allô? Reconnecte-toi un peu.
Alors là, il y avait un problème technique, bien-aimé. Ne vous inquiétez pas. La sœur Boko va se connecter. Elle a voulu faire un essai, y mettre un micro anti-vent. Mais je pense que ce genre de choses, il faut le tester avant de faire le direct. Et quand on les teste avant le direct, on peut savoir si ça marche ou pas. Mais quand on les teste durant les directs, voilà les résultats, quoi. Voilà, parle un peu. Tu peux parler. Mais maintenant, ça passe. Mais elle ne parle pas. Bon, je vais, excusez-moi, il faut que je me voie pour que vous compreniez. C'est bon, parle un petit peu, c'est bon, parle un peu pour que j'attende, parle, parle, parle un Oui, peu. bonjour. C'est bon, c'est bon. Chers amis. Allô. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Eh bien, je pense que vous avez passé un bon début de matinée. D'accord? Nous sommes arrivés dans l'après-midi. Nous remercions Dieu pour toutes les grâces qu'il nous a faites depuis notre réveil jusqu'à l'heure qu'il est. Disons merci pour la santé, vraiment, qui est ce cadeau merveilleux. Merci pour la vie. Et merci pour toutes les démarches dont nous avons pu faire sans. Voilà. Chers amis téléspectateurs, Mabouko, l'image est bonne. Pas compliquer les affaires ou là, ça passe bien. Sinon, je t'aurais c'était dit. le micro qui écrivait ton nom et ça se coupe à chaque fois. Non, tout est Alors, bon. mal T'inquiète amené. pas. Ça se passe bien. Anouaï, ça se passe bien. Bonjour, chers amis spectateurs, téléspectatrices. C'est avec une très grande joie que nous nous retrouvons ce matin. Je pense que vous avez passé une bonne matinée. Nous sommes arrivés au point de l'après-midi. Vous avez pu réaliser toutes vos démarches, hein. Vous avez rencontré de bonnes personnes. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite, vraiment pour la vie que nous avons. Nous pouvons dire que nous avons remporté une belle victoire ce matin, puisque nous sommes encore en vie. La santé qu'il nous donne, qui est un cadeau vraiment merveilleux pour tous et chacun. Je salue tous ceux et toutes celles qui sont dans leur lit, alléluia, qui sont couchés à l'hôpital ou chez eux. Je salue toutes les grands-mères, les grands-pères, les aïeux, hein, tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Je les salue et je leur dis vraiment de tenir bon, en bon cabaret, bonne force, bon courage. Je salue aussi les prisonniers qui sont en centre de pénitence, je les salue, en centre carcéral. Je vous salue, je vous demande vraiment de tenir bon, bon courage, et puis réfléchissez aussi à ce que vous faites, hein, pour que votre libération puisse se faire comme il se doit. Je salue aussi le bishop et sa femme. Je salue tous les pasteurs, ceux qui nous suivent en ce moment, partout dans le monde, quelle que soit votre conception religieuse, je vous salue. Et vraiment, Dieu est bon, il est grand. Maintenant, je vais prier. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons faire la prière. Éternel Dieu de grâce, Papa, je mets entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette émission, Seigneur, que tu puisses faire Saint, prends toute la place, Saint-Esprit, prends toute la place. Prends la place du roi, conduis-moi, mets les mots qu'il faut dans ma bouche ce soir, Seigneur mon Dieu, afin que ton peuple, Seigneur, puisse recevoir ce dont ils doivent recevoir, à quoi ils s'attendent. Tu es le seul Dieu digne d'adoration, alléluia, digne de louange et digne d'être élevé. Je te dis merci, merci encore une fois, Papa.
Et maintenant, je vais chanter ce chant qui dit, entre tes mains, j'abandonne. Je vais m'abandonner entre tes mains. Je vous demande à vous, les chers connectés, de vous abandonner. D'accord? Je vous salue. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. D'accord? Participez, même si vous ne connaissez pas les paroles de ce chant, mais essayez de mémoriser. D'accord? Entre tes mains, j'abandonne tout. Ce que j'appelle mien, on ne permet à personne, Seigneur d'envoi, entre rien. Oui, à tout, Seigneur. Oui, à tout, Seigneur. Entre tes mains, tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi seul je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, partout. Seigneur, oui, pour tout, Seigneur, sans rien garder, je te livre tout avec honneur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de et suprême, tu me rendrais tel que. Oui, à tout, Seigneur. Oui, à tout, Seigneur. Je ne vis plus pour mais pour mon sauveur. Quand mon corps que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, à tout, Seigneur. Oui, à tout, Seigneur. Je ne vis plus pour mon sauveur. Quand mon corps est mort, mon âme, que ton roi soit à toi, que par ta divine flamme, tout ma soif détruit en moi. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Je ne vis plus pour mais pour mon sauveur. Oh, mon corps répond. Règne sur mon cœur. Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur, mon roi, je t'invite à tout prendre, Seigneur, mon Dieu. Tout prendre pour toi, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux pas regarder en arrière. Je veux tout te donner, mon frère, ma soeur. Ce matin, ce soir, c'est ce que tu dois dire à ton Seigneur. Je ne veux plus rien garder dans mon cœur, rien d'impur, mais je veux être tout à toi. Aujourd'hui, je me suis arrêtée quelque part dans la campagne et pour pouvoir être avec vous. Vous savez que les cieux et la terre appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a tout fait. Il a fait le vent, il a fait les arbres, il nous a tout fait. Peut-être que le vent va vous gêner un petit peu, mais
Recevez tout de même le message qu'on a à vous faire passer. Maintenant, nous allons prier, nous allons demander pardon à Dieu, vraiment tout ce que nous avons fait qui n'était pas digne de sa gloire. Hein. Bien Dieu de grâce, Papa, ce matin, nous demandons pardon. Commencez par moi, Seigneur, pour toute mauvaise attitude, Seigneur, toute désobéissance, pour ce que nous avons pu faire, Seigneur, mon Dieu. Nous avons, les conversations dont nous avons participé qui n'étaient pas édifiantes, Seigneur, mon Dieu. Les mauvais regards, Seigneur, mon Dieu, que nous avons pu lancer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les mauvaises pensées, Seigneur. Et nous pardonner, Seigneur. Et maintenant, que tu puisses nous laver tout entier de ton sang, laver nos pensées, je te donne tout l'honneur et toute la gloire, Seigneur. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Alléluia. Amen. Eh bien, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est un jour béni. Comme chaque jour, hein, et nous confessons chaque jour béni. Nous avons le soleil. Nous avons le vent. Et nous entendons dans d'autres pays qu'il y a la canicule, 46 degrés, 40 degrés, et les gens n'ont pas le vent des alizés comme nous l'avons. Nous devons dire merci au Seigneur pour notre territoire. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour notre territoire. Alléluia, tout ce qu'il fait de beau. Bien Dieu de grâce, papa. Ce soir, nous mettons notre territoire entre tes mains. À commencer par mon territoire, Seigneur. La Guadeloupe, Seigneur, mon Dieu, je mets entre tes mains. Je mets les îles entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Je mets, Seigneur, mon Dieu, tous les pays, Seigneur, mon Dieu, anglophones, tous les pays hispaniques. Je mets l'Amérique entre tes mains, le Canada, Seigneur, l'Afrique, Seigneur, mon Dieu, entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Je les mets entre tes mains. Je te demande, Seigneur, de passer ta main miséricordieuse, Seigneur, mon Dieu. Surtout sur l'Afrique, Seigneur, avec tous les émeutes qui ont en ce moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, que tu puisses toucher le cœur des hommes, Seigneur. Que tu puisses enlever toute haine, Seigneur, toute amertume, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, tu as dit dans les derniers temps, une nation, Seigneur, mon Dieu, va se confronter à une autre nation, Seigneur. Ça sera la guerre, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, nous sommes en plein dedans, Seigneur mon Dieu. Touche le cœur de tous ces présidents, Seigneur mon Dieu. Oui, touche le cœur de tous ces présidents, Seigneur. Nous venons briser, Seigneur, tout esprit de corruption, Seigneur. Toutes ces corruptions dans tous les pays, Seigneur mon Dieu, qui affligent les Seigneurs, les petits, Seigneur mon Dieu. Oh, Dieu de grâce, Papa. Dieu de bonté, aide les présidents à se mettre d'accord, à se mettre autour d'une table, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour pouvoir communiquer, Seigneur mon Dieu, enlever le peuple de la crise qu'ils sont en train de passer, Seigneur mon Dieu, en Afrique, Seigneur mon Dieu. Je glorifie ton Saint-Nom, Père Saint. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'il y ait un nouveau gouvernement, Seigneur mon Dieu, que tu puisses placer les hommes, Seigneur mon Dieu, dignes de droit, Seigneur mon Dieu, dignes de justice dans ton pays, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, Père Saint, tu es bon, Seigneur, nous nous attendons à toi, Père. Nous nous attendons à toi parce que, Seigneur mon Dieu, tu es capable, Seigneur, de faire. Tu es capable de relever les hommes, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Amen. Cher bien-aimé, Dieu, dans son immense amour, il a créé la terre. Les hommes se détruisent pour cette terre. Dieu a tout créé, mais les hommes ont préféré idolâtrer d'autres dieux. D'autres dieux avec les D minuscules, et ils sont en train de s'entretuer alors que Dieu demande l'amour, Dieu demande que nous prenions soin les uns des autres. Comme il est écrit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Genèse 1, verset 1 à 31, mais nous n'allons pas lire tout cela. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez que Dieu existait déjà et il existe de toute éternité. Dieu est esprit, il est là, il voit ce qui se passe de là où il est. Il le savait. Les prophéties qui ont été lancées s'accomplissent. Alléluia, ce n'est pas pour rien. La Bible dit que son esprit se mouvait dans les cieux. La terre était informe et vide. Son esprit se mouvait
dans les cieux. La terre était informe et vide. Le vide, c'était un précipice. Et c'est ce que nous sommes. Certains pays sont en train de vivre. D'accord? Même l'Ukraine, la Russie, hein, tous ces pays-là avec leur guerre, l'Afrique, hein, c'est comme s'ils sont dans un gouffre, précipice, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Hein, que Dieu puisse faire grâce, grâce à son peuple, grâce à ces pays. Je prie pour les exilés, tous ceux qui laissent leur pays pour venir chercher refuge ailleurs, pour venir chercher le bonheur ailleurs. Je prie Dieu pour que vraiment sa main de grâce, sa main miséricorde, Dieu puisse être sûr, puisse les protéger. Parce que quand on passe dans certains pays, on voit comment les hommes sont logés. Hein? Ce n'est pas évident, alléluia, ce n'est pas évident. Et nous qui avons, je dis, nous avons tout, hein? Et nous ne savons pas apprécier ce que nous avons. Nous ne savons pas apprécier ce que Dieu nous a donné. Mais nous devons, mes chers bien-aimés, réfléchir là-dessus. Il y avait un vide dans les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu, maintenant, il a dit que la lumière fût la lumière soit. Nous avons la lumière. Il n'y a plus de ténèbres. Nous avons la lumière au-dessus de la terre. D'accord? Nous vivons en pleine lumière. Et Jésus a dit que vous êtes sel et lumière de la terre. Nous sommes lumière de la terre. Christ est lumière de la terre. Mais que cette petite étincelle, cette étincelle ne puisse pas s'éteindre. Nous allons prier, demander à Dieu vraiment de garder notre lampe allumée. Éternel, Dieu, grâce, papa. Ce matin, nous demandons de garder notre lampe allumée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De permettre, Seigneur, mon Dieu, qu'il ne s'éteigne pas, Seigneur. Que nous ne soyons pas comme les vierges folles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que cette lumière que tu as mise en chacun de nous puisse nous éclairer, quelles que soient les situations que nous sommes en train de vivre, Seigneur, quelles que soient les démarches, Seigneur, que nous sommes en train de faire, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éclaire-nous, Seigneur, mon Dieu. Fais usage de ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais usage de ton Esprit Saint, l'Esprit Saint que tu nous as donné, l'Esprit Saint que tu nous as envoyé comme consolateur, conseiller, guide, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, nous te disons merci. Que son Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous aiguiller, Seigneur, puisse nous relever, puisse nous fortifier. C'est sur toi que nous nous appuyons. Bien-aimé, toi qui es là, toi qui sens que tu es dans le gouffre, toi qui sens qu'il y a un vide autour de toi, dans ton intérieur, demande à Dieu de te fortifier. Il est capable. Il est capable de toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Alléluia. Il est capable de te relever de là où tu es. Il est capable de te faire monter au sommet, de t'enlever de là où les hommes t'ont enterré, te faire sortir de ton linceul. Il est capable. Alléluia. Il est capable d'activer la bénédiction. Toi. Il est capable d'éclairer tes yeux, il est capable de te réchauffer le cœur, il est capable de te déboucher les oreilles, alléluia. Ne faites pas de tes oreilles une poubelle, capable de remplir le vide, de te combler, alléluia. Je vais chanter ce chant qui dit purifie mon cœur. Demande à Dieu ce matin, ce soir, de purifier ton cœur, mon bien-aimé. Demande-lui de purifier ton cœur de là où tu es, de te rendre pur comme l'or et l'argent. Alléluia. De te rendre pur comme l'or et l'argent. Mais pour cela, il faut que tu aies la volonté. D'accord? Tu ne peux pas lui demander pardon là maintenant, de purifier ton cœur. Après, tu vas fouiller les poubelles. Non? Purifie mon cœur. Mais je dois garder mes mains purifiées, ma bouche purifiée, mon cœur purifié, et ne pas retourner de là où je suis sorti. Hein? Et je veux que nous soyons saints. Tout ce qui peut compter aux yeux de Dieu, c'est la sainteté. Hein? C'est que tu vives une vie de sainteté. Alléluia. Que tu Qu'il n'y ait pas d'amertume, qu'il n'y ait pas de rancœur, qu'il n'y ait pas de haine,
hein, qu'il n'y ait pas de jalousie dans ton cœur. Vis une vie de sainteté. Hein, que tu puisses te respecter, respecter ton corps, surtout ton corps. Hein. Ne laisse pas l'esprit du mal te faire tomber en tentation. Tu es capable de te retenir. Hein, tu es capable de te retenir. Si tu sais que tu ne peux pas résister, eh bien, ne va pas là où tu devrais aller. Ne réponds pas à certains avances. Alléluia. Surtout des avances qu'on nous fasse. Je parle des hommes et des femmes. Hein, et si tu sais que tu ne pourras pas résister à ce que quelqu'un peut te dire en déclaration, ne prends pas de rendez-vous avec cette personne-là. Tu veux mener une vie de sainteté, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux sortir de ton état de célibataire, et rentre en prière, rentre en jeûne, prends soin de ton corps, hein, sois saint. Et Dieu déversera toutes les bénédictions qui sont bloquées dans le deuxième ciel, parce qu'il a déjà ouvert le ciel pour que tu reçoives tes bénédictions. Alors, tu dois faire en sorte que les bénédictions viennent à toi. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or que du fondeur. Je n'ai plus désir d'être saint, saint, mis à part pour toi, mon seul maître. Être saint, mis à part pour toi, mon seul maître. Et prêt à t'obéir comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce émanée. Prêche rosée, descend des cieux notre. Ô divines ondées, venez arroser nous. Alors tu es mon frère, ma soeur, mon ami, quelle que soit ta position, appelle la fraîche rosée du ciel sur toi. Ne laisse pas les esprits du deuxième ciel, les esprits impurs du deuxième ciel, bloquer la rosée que tu as pour toi. Alléluia. Appelle à toi, appelle la rosée du ciel à toi, appelle à toi vraiment les choses qui n'existent pas, alléluia, parce que il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, tu crois qu'elles n'existent pas, parce que tu ne réclames pas ces choses-là, appelle à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie, ce que tu n'as pas encore reçu. Fraîche rosée, descends dessus nos tours, ô divines ondées, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes pour la force sur notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Reçois cette fraîcheur. Fraîche rosée, descend dessus nos tours. Ô divines ondées, venez arroser nous. Ne laissons nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide sois pleinement rosé, reçois mon frère. Prêche rosé, descends dessus nos tours.
Ô divines ondées, venez arroser nous, riches comme c'est, descendez sur nos toits. Ô divines ondées, venez arroser nous, oui que les déserts fleurissent. Pour ces bienfaisantes eaux, que les lieux s'éclaircissent et portent des fruits nombreux. Tu peux recevoir cela. Oui, descendez sur nos toits. Oh, divines ondées, venez arroser nous. Et vos salutaires pluies, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. Oui, rosée, descendez sur nos toits. Oh, divine ondée. Venez arroser nous. Demain, tu réclame cette pluie abondante sur toi. Réclame la rosée du ciel sur toi. Qu'il puisse te laver extérieurement, intérieurement, mon ami. Aujourd'hui, tu es dans un état où tu apprends que tu as une maladie incurable. Ne baisse pas les bras. Appelle la rosée du ciel sur toi. Appelle la délivrance de Dieu sur toi. Fais alliance avec le Saint-Esprit. Et Dieu verra tes soins. Dieu pourvoira à ta guérison. Ce matin, pour tous ceux qui découvre une maladie incurable, qui découvre qu'ils ont d'autres maladies, je vais prier. Éternel Dieu de grâce, papa, toi qui connais les 39 maladies, je les mets entre tes mains. Je mets tout le peuple entre tes mains, Seigneur. Je viens briser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout esprit de maladie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as pris possession de leur âme, Seigneur. Et je brise tout esprit de maladie qui voudra prendre possession de mon âme, Seigneur. Je les chasse dans les prisons. En ton nom, je réclame ton sang, Seigneur, sur toutes ces personnes. Ton sang sur moi. Ton sang sur mes enfants. Ton sang sur ma famille, Seigneur. Ton sang, Seigneur, sur tous ceux et celles que je ne connais pas, Seigneur. Ton sang de délivrance, Seigneur. Et que non, Père Saint, je viens mettre entre tes mains, Seigneur mon Dieu, tous ceux et toutes celles qui sont malades spirituellement. Je dis malades spirituellement parce qu'il y a des gens qui se plaignent d'être blessés, sont toujours blessés, qui sont rejetés. Alléluia, qui sont rejetés. D'autres qui se sentent mal aimés. Nous allons mettre toutes ces personnes entre les mains de Dieu afin qu'ils puissent retrouver confiance en lui. Seigneur Dieu, Papa, je mets toutes ces personnes blessées, Seigneur, entre tes mains. Vraiment que tu puisses guérir leurs blessures, Seigneur, leurs blessures intérieures, Seigneur mon Dieu. Les blessures, Seigneur mon Dieu, de leur cœur, de leur esprit, Seigneur, afin qu'ils puissent penser autrement, Seigneur mon Dieu. Je réclame, Seigneur mon Dieu, une totale délivrance de leur cœur, de leur esprit, Seigneur mon Dieu. Quelle que soit, Seigneur mon Dieu, leur position, Seigneur. Quelle que soit leur race, Seigneur mon Dieu. Quelle que soit, Seigneur mon Dieu, leur conception religieuse, Seigneur. Je viens mettre les églises entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Quand tu visites, Seigneur mon Dieu, ton église, parce que c'est toi le chef de l'église. Visite tous les cœurs, Seigneur.
qui sont malades, Seigneur mon Dieu. Guéris-les, Seigneur mon Dieu. Par tes nutrition, guéris-les. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur mon Dieu, intérieurement, Seigneur. Guéris, Seigneur mon Dieu, tous ceux et toutes celles qui sont malades physiquement, Seigneur. Visite chacun de leurs membres, visite leurs organes, Seigneur mon Dieu. Guérison, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci, Papa. Merci, Père Saint. Merci parce que tu es grand. Tu es tout-puissant, Seigneur. Qui est comme toi? Nul ne peut être comme toi, Seigneur. Nul ne peut faire comme toi, Seigneur. C'est toi qui as créé l'homme, Seigneur, mon roi. Tu as créé l'homme, Seigneur, mon Dieu, équilibré, mais nous savons, Seigneur, par rapport au péché d'Adam, Seigneur, mon Dieu, et l'homme a été déséquilibré, Seigneur, mon Dieu, mon roi. L'homme a été déséquilibré, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Je vais vous lire le psaume 90, verset 2 de David. C'est David qui adresse le message à Dieu. Il dit, avant que les montagnes fussent, d'accord, et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Mon frère, je voudrais te dire, avant ta conception, Dieu te connaissait déjà. Il avait déjà un plan pour toi, un plan d'éternité pour toi. Dieu connaissait déjà les montagnes parce que Dieu l'a créé. Mais ce n'est pas pareil. Hein? Je vais vous prendre l'exemple d'un fœtus. Hein? Ce n'est pas pareil. C'est contraire à un fœtus qui apparaît. D'accord? La terre était informe. D'accord? Dieu a donné une forme à la terre. Bien, un fœtus, quand un fœtus apparaît, il est informe. D'accord? Quand il est conçu par le biais, quand il est conçu. Mais nous voyons que par le biais de la science, lors d'une échographie, on peut voir, hein? On peut voir que ce fœtus existe bien. On le voit. D'accord? On entend les battements de son cœur. Il n'est pas. Quand il n'est qu'une masse informe, on le voit, c'est une petite boule, mais le cœur est au milieu. Il y a tout petit point noir au milieu qui est le cœur qui bat. Il n'a pas encore de forme. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il grossit. C'est pareil pour toi. Tu viens à Christ, mais imagine-toi dans la position d'un fœtus. Hein? Imagine-toi dans la position d'un fœtus. Prenez de nouveau, alléluia. Tu as ton petit cœur qui bat. Dieu fait battre ton petit cœur pour toi. Et au fur et à mesure que tu entends la parole, au fur et à mesure que tu rentres en profondeur des affaires de Dieu, tu verras que tu vas grandir, tu vas grossir, tu vas grandir. Hein? Et vraiment, Dieu fera de toi l'homme et la femme hein, qu'il se doit, l'homme et la femme qu'il veut que tu sois, son ouvrier. Pour pouvoir travailler dans son champ. Alléluia. Laisse-moi embaucher dans le champ de Dieu. Ne reste pas dans la paresse. Ne reste pas dans la fainéantise. Laisse-moi embaucher. Pas sur la place publique. Alléluia. Dieu est là. Il embauche à toutes les heures. À toute heure, il embauche. Alléluia. Laisse-moi faire. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu prendre soin de toi, mon ami. Ne dis pas, je suis malade. Je suis fatigué, je suis attaqué, je suis envoûté. Tu es en train de rassasser ça toute la journée. Non, laisse tout cela d'un côté et focalise-toi sur ton seul maître et ton seul créateur. Alléluia. Ce qui compte, c'est que tu restes fidèle et à lui. Tu restes accroché à la parole. Mon frère, ma soeur, la guérison est dans ta bouche. La guérison est en toi. La guérison est quand tu médites les versets bibliques, quand tu médites la Sainte Bible, la guérison est là. Je t'encourage. Ne baisse pas les bras. Appuie-toi sur ton Créateur. Appuie-toi sur Christ ressuscité dans toute sa gloire. De là où tu es, le Saint-Esprit te visite. Je vais prier pour toi. Parce que de là où tu es, le Saint-Esprit va te visiter. Pose ta main sur ton cœur. Éternel, je te grâce, Papa. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui ne savent plus quoi faire, Seigneur,
qui ne savent plus à quoi attester sur vous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qui sont dans une paresse, Seigneur mon Dieu. Le mal les retient, Seigneur, en captivité. Le diable les retient en captivité de cœur et d'esprit, Seigneur. Relâche ta gloire sur toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu. Relâche ta gloire sur toutes ces personnes. Touche leur cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Touche leurs organes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Relâche ta gloire, Seigneur, dans le lieu où ils se trouvent, Seigneur mon Dieu. Relâche l'esprit de guérison, Seigneur mon Dieu. Relâche la patience, Seigneur. Relâche l'esprit de bonté, Seigneur. Relâche l'esprit de bienveillance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Relâche, Seigneur mon Dieu, toutes les bénédictions. Bénis-les, Seigneur. Bénis chaque foyer, Seigneur. Et maintenant, je mets leur sommeil entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses les garder, Seigneur, fidèles à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'ils puissent passer une nuit, Seigneur mon Dieu, sans incident, sans accident, Seigneur mon Dieu. Et quand dans les îles, Seigneur mon Dieu, nous puissions, Seigneur mon Dieu, être protégés contre tout accident. Seigneur, tout tremblement de terre, Seigneur, toute hérésie, Seigneur, que tu puisses nous protéger contre tout esprit de famine, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Père, tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Je mets les autorités entre tes mains, garde-les, Seigneur, mon Dieu, sous ta coupe, Seigneur, mon Dieu. Ouvre leur intelligence, Seigneur, mon Dieu. Ouvre leur intelligence, Seigneur. Je glorifie ton Seigneur. Et maintenant, je mets tous nos bien-aimés qui sont connectés entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Tous ceux qui sont dans l'anonymat, je les mets, Seigneur, garde-les, Seigneur. Tous nos frères et sœurs qui sont dans leur maison, Seigneur, garde-les fidèles à toi. Les animateurs, Seigneur mon Dieu, les intercesseurs, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, les complices, Seigneur mon Dieu, garde-les fidèles à toi, Seigneur. Nos sœurs, Seigneur, qui ne sont pas avec nous, Seigneur mon Dieu, garde-les fidèles à toi, Seigneur, quelle que soit l'assemblée où ils sont, Seigneur mon Dieu, garde-les fidèles à toi. Garde tous les pasteurs, Seigneur, que j'ai côtoyés, j'ai connus entre tes mains, Seigneur mon Dieu, garde-les fidèles à toi, Seigneur mon Dieu. Je mets entre tes mains, Seigneur, aussi, des couples qui se sont mariés ce week-end, Seigneur mon Dieu, garde-les sous ta coupe, Seigneur mon Dieu. Les couples pastoraux, Seigneur, garde-les sous ta coupe, Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom et je te dis merci, Papa. Alléluia. Amen. Mes chers bien-aimés, c'est pour moi un plaisir d'être là avec vous ce soir. Je vous dis bonne fin d'après-midi, bonne nuit pour d'autres. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ok, donc nous avons terminé avec Mama Bouko et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Soyez bénis.